Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Le diocèse de Dijon organise un pèlerinage à l'occasion de la canonisation de la carmélite Élisabeth de la Trinité, prévue le 16 octobre à Rome. Cette figure dijonnaise est née en 1880 et rentre au Carmel de Dijon en 1901. Elle est connue pour avoir choisi de s'abandonner pleinement à l'amour trinitaire, en choisissant de faire de son existence une véritable louange à Dieu. De fait, la doctrine qu'elle a développée avait pour thème l'habitation de Dieu dans la personne humaine. Plusieurs formules vous seront proposées. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.pèlerinage-dijon.cef.fr. Le comité de soutien aux chrétiens d'Orient et Solidarité Orient présente le concert de solidarité des cœurs et des cœurs. Le samedi 17 septembre 2016 à 20h, 6 chœurs représentant les églises grecques melkites catholiques, syriaques orthodoxes, romaines, arméniennes apostoliques, chaldéennes et coptes orthodoxes s'élèveront dans l'église Maradaï et Marmarie de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Schaerbeek. Pour plus de renseignements ou réserver votre place, vous pouvez écrire à l'adresse suivante csco.asbl@gmail.com. Les groupes Parole de Dieu organisent une retraite à Lisieux du 16 au 20 août 2016 sur le thème « La meilleure voie ». Durant ces quelques jours, des temps de prière et de réflexion, mais aussi des temps de détente et de partage vous seront proposés. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante groupeparolededieu@gmail.com. En cette année de jubilé de la miséricorde, la paroisse de Talence propose aux visiteurs plusieurs œuvres contemporaines d'artistes talencés et des reproductions de mosaïques d'après l'œuvre de Marco Rupnik. L'exposition se tiendra jusqu'au 20 novembre 2016 en l'église Notre-Dame. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site http://paroisse-talence.fr. Et si vous aussi, vous avez des informations à nous faire connaître, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Bon été à tous. Et que des enfants vous chantent un jour.